Salut les ici Westock, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour discuter des news Apex qui font écho à la sortie du premier trailer lore de la saison 7 avec Horizon, donc un excellent trailer. Si jamais vous n'avez pas vu le trailer, ou vous l'avez vu en anglais, ou vous n'avez pas tout compris, j'ai fait une vidéo hier où j'ai traduit entièrement le trailer pour ceux qui n'auraient pas tout compris. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Mais au programme des news de la journée, eh bien, on va discuter du coup du programme de la saison 7. Je vais vous montrer des images qui ont été colorisé par des utilisateurs Reddit pour un premier aperçu d'Olympus, donc la nouvelle map de la saison 7 d'Apex Legends, et ça a l'air vraiment très très chouette, très différent de ce qu'on peut connaître. Un premier aperçu aussi du Trident, le véhicule d'Apex. On va parler des dates et de ce qui devrait arriver bientôt concernant Apex Legends et des prochaines sorties. Je vais vous parler aussi de l'analyse lore du trailer d'Horizon, et on va faire un point sur les leaks massifs qui ont été publiés hier. On va en parler de façon intelligente, en tout cas on va essayer d'en parler de la façon la plus intelligente possible, parce que ces leaks concernent en gros, je pense, tout le futur d'Apex à date, avec toutes les futures légendes et tout un tas de trucs, et c'est un sujet assez délicat à aborder selon moi. Mais avant d'aller plus loin, mes chers bandits, je me permets de vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît, mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Vous abonner aussi, merci d'avance. Alors, du coup, eh bien, concernant Olympus, c'est effectivement la nouvelle map de la saison 7 d'Apex. Les roquettes du jeu ont démarré, comme vous pouvez le voir sur World's Edge. Donc on va bientôt s'apprêter à prendre la navette et partir. Saison 6 était effectivement une saison de transition. On a vu d'excellentes images qui sont apparues sur Reddit, alors celle-ci c'est ma préférée, elle est de Mad623, c'est une image qui a été colorisée de façon automatique grâce à de l'intelligence artificielle, et je trouve que l'image est vraiment intéressante parce qu'on voit déjà les nuages, on voit des éclairs, on voit des espèces de structures qu'on n'a jamais vues auparavant sur Apex, que je trouve assez intéressante. Il n'y a aucun asset qui est vraiment réutilisé, en tout cas sur cette image, alors que sur World's Edge, on en avait quelques-uns, même si on avait beaucoup qui étaient uniques à World's Edge comparé à Kingslayon, il y avait quand même des assets qui étaient réutilisés. Là, pour le coup, on a l'impression que tout est unique, donc on va redécouvrir vraiment une map, nouvelle map, avec Olympus, et je dois dire que franchement, ça me plaît plutôt pas mal ce que je vois. Alors, je vous rappelle que dans la description d'Olympus, cette nouvelle map, eh bien, c'est une map qui va se dérouler dans les airs. Shroctal, dans les fichiers du jeu, avait trouvé il y a quelques temps de ça le nom de Olympus, et le nom d'Olympus était Cloud City, donc la cité des nuages. Je sais pas si ça vous rappelle effectivement une certaine ville de Star Wars. En tout cas, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Alors oui, le trailer fait référence à Interstellar, oui, cette nouvelle map Olympus fait référence à Star Wars, mais est-ce que c'est vraiment mal? Les gens qui semblent s'en offusquer, ça reste des inspirations, ça reste de la culture populaire. Moi je trouve que c'est plutôt cool, et franchement je pense que c'est des clins d'œil assumés dans tous les cas. Une image du Trident aussi, donc je vous rappelle que c'était un charme qu'on avait déjà vu. Alors du coup, il semblerait que ça soit un véhicule dédié à 3 personnes, donc on n'aura pas de véhicule avec 4 places, au cas où certains pensaient qu'on allait avoir un Quad War pour Olympus. Donc on a le siège conducteur avec 2 sièges passagers, donc ça sera effectivement des véhicules qu'on va pouvoir utiliser avec des alliés. Et globalement, je trouve que c'est plutôt réussi. Je m'attendais encore une fois pas du tout à avoir des véhicules sur Apex, mais pourquoi pas. Alors, on va parler maintenant rapidement des dates, de ce à quoi on peut s'attendre pour la suite des événements au niveau des trailers. Globalement, je pense qu'on peut s'attendre à avoir un trailer soit aujourd'hui, soit éventuellement jeudi. Je rappelle que la sortie de la saison 5 a été officiellement annoncée par EA France sur leur Twitter au 5, non pas le 4. Donc le 5, j'imagine que ça va être le 5 au matin. La saison 6, je vous rappelle, elle est sortie le matin aussi, donc on peut s'attendre à ce que cette saison 7 sorte jeudi matin très tôt pour nous Européens, ce qui correspondrait du coup à une heure tardive pour les Américains. Je sais pas trop si c'est bien pour eux, mais en tout cas pour nous Européens, c'est pas mal. Je pense que la sortie de la saison devrait ravir pas mal de gens, notamment pour ceux qui poseront des RTT d'ici là. Enfin, peut-être que d'ici là, on sera tous reconfinés, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, du coup, voilà, 5 au matin, donc ça, vous le savez.
Je voulais faire un petit point sur le lore aussi du trailer, parce que je vous rappelle qu'on a eu des teasers aussi ces derniers jours avec Horizon qui semblait bouger H. Il semblerait, selon Schrocktal et selon pas mal de monde, ça me paraît être plutôt crédible, qu'en fait le personnage qu'on voit dans le trailer d'Horizon eh bien soit en fait H sous sa forme humaine. Je vous rappelle que H est un simulacrum, c'est un personnage robotique dont l'âme a été transférée dans un robot. Pour faire très simple, ne m'assiégez pas si jamais au niveau du lore, c'est pas exact ce que je dis, mais c'est comme ça que je le vois concernant les simulacrums. Les simulacrums avaient une forme humaine auparavant et il semblerait que H, eh bien, ça soit sa forme humaine. C'est pas complètement impensable, je vous rappelle qu'on avait vu la forme humaine de Revenant aussi, c'est un peu le même genre de dessin, moi j'y crois personnellement. En plus de ça, Schrocktal, qui s'y connaît très bien dans le lore d'Apex, nous confirme que la timeline correspondrait à ça, donc H, en plus de ça, est censé être une des futures légendes du jeu. Maintenant, je vais vous parler du data mining qui a été effectué par un data miner connu de la scène qui s'appelle Biast12. Et Biast12, en fait, il a posté pas mal de choses hier. Alors, il a mis son compte Twitter en privé. J'ai préféré personnellement pas vous montrer les images. Je vais quand même vous parler un petit peu de ce qu'il y a dedans. En gros, c'est du data mining vraiment, vraiment très crédible. Qui montre en fait des images qui ont été limite en fait piquées sur l'écran d'un développeur. C'est pour ça que ce genre de data mining, personnellement, moi je préfère pas le diffuser, pas vous montrer d'images. Pour ceux qui sont curieux et qui veulent vraiment le voir, sans forcément mettre de lien dans la description, vous allez sur le Reddit d'Apex Uncovered, il y aura probablement des images qui circuleront dessus, même si certaines ont été supprimées. Pourquoi est-ce que je préfère me prémunir vis-à-vis de ça, parce que c'est quand même assez délicat. C'est du data mining très lourd, on voit vraiment des images des futures légendes du jeu, alors il y en a qui sont encore cachées. Globalement, pour ceux qui avaient suivi un petit peu l'histoire, on a les légendes qui avaient été diffusées dans un data mining pareil, enfin plutôt un leak, il y a quelques temps de ça. Donc on a Horizon, Blisk, Ash, tous ces personnages que vous connaissez déjà, Fuse, etc. Et effectivement, ça a l'air d'être crédible, donc normalement le prochain personnage du jeu sera Blisk, et celui d'après, Ash. Alors, je vais juste faire un petit point au niveau du data mining, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup traité sur la chaîne, clairement. À des moments où les news d'Apex étaient vraiment réduites à zéro, je pense que dans le futur, je vais réduire le nombre de news, ou si je dis du data mining, que je vais faire, parce que pour le coup, là je vous donne pas tous les détails du truc, mais je trouve que ça gâche un petit peu au final la surprise, le plaisir peut-être de découverte aussi de ces personnages. Et même si dans le passé je trouve que c'était peut-être pas ultra problématique parce qu'on avait vraiment zéro news, Respawn sont quand même en train de se remettre au goût du jour, et je trouve ça personnellement dommage. Donc voilà, Apex Uncovered sur Reddit pour ceux qui voudraient découvrir. Il y a quelques images de plus par rapport à ce dont on a parlé il y a un mois et demi de ça. C'est pas un leak massif, on a aussi eu l'aperçu d'une nouvelle arme qui semblerait être un fusil à levier, qui personnellement, moi je pense, pourrait éventuellement remplacer le... Donc voilà pour l'état d'Erix, on en fera moins je pense dans le futur, en fonction de toute façon de l'actualité du jeu. Voilà. Je pense que c'est la meilleure façon d'aborder la chose que de savoir ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En tout cas, je suis hyper hypé par la sortie de la saison 7. Cloud City alias Olympus me hype. J'espère que vous aussi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends. Ciao les bandits.